Bonjour, aujourd'hui je vais vous révéler le secret, les trois petits secrets pour avoir bonne mine. Quand on dit bonne mine, c'est important parce que ça veut dire que le matin on peut aller au travail et puis les gens autour de vous vont dire « Ah, aujourd'hui t'as bonne mine » et c'est ce qu'on recherche tous parce que ça nous donne un petit plaisir narcissique. Alors quels sont les secrets pour avoir bonne mine en dehors de la coiffure ou des petits éléments de maquillage? D'abord, le regard. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'air fatigué. Et pourquoi est-ce qu'on est fatigué? Il y a deux causes à cela. Au niveau des paupières supérieures, trop de peau qui descend sur les cils et qui donne donc un regard lourd, ou bien des poches sous les yeux, comme moi, qui donnent un regard fatigué. Et malheureusement, les poches sous les yeux, il faut faire une petite opération, et les paupières du haut aussi. Si on doit les alléger, il faut faire un peu de couture, enlever la peau qui est excédentaire, enlever une petite poche de graisse à l'intérieur, et ainsi on peut donner un regard qui est beaucoup plus ouvert. La deuxième raison importante, c'est l'existence de sillons nasogéniens ou de petits plis d'amertume ou de petites ridules au niveau de la lèvre. Et bien là, c'est le triomphe de la médecine esthétique. Il faudra faire des injections d'un produit qu'on appelle un filler, de l'acide hyaluronique, qui permet de combler la fissure au niveau des sillons ou de ce qu'on appelle les parenthèses, également un peu au niveau ici de ce qu'on appelle les plis d'amertume qui donnent ce côté triste au visage et éventuellement aussi combler la lèvre supérieure pour diminuer un petit peu les ridules. Et puis la troisième raison pour laquelle on a mauvaise mine, c'est parce qu'on a les pommettes qui sont un peu tombantes, il y a des bajoues qui apparaissent et il y a le cou qui devient un petit peu fripé. Et ça, c'est un peu plus ennuyeux parce que les crèmes, les pommades, le soleil, la bonne mine, bien manger ne serviront à rien. Il faut vraiment faire un acte chirurgical qui n'est pas trop grave parce qu'actuellement, par exemple avec le microlift que j'ai décrit, on peut retendre le cou, dégraisser un peu le double menton, mais retendre discrètement le cou, remonter un petit peu le visage sans déformer la bouche parce qu'on ne va pas tirer horizontalement mais remonter le visage vers le haut. Et cette opération qui se fait en ambulatoire peut vous redonner une bonne mine à la partie basse du visage, retendre votre cou et diminuer les bajoues. Voilà donc les différentes possibilités pour avoir bonne mine. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter vers une opération. Prenez conseil avec votre chirurgien esthétique favori et il vous donnera dans votre cas quelle est la meilleure solution pour avoir bonne mine.